Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés, parce que j'ai vu que certains et certaines s'étaient abonnés, donc bienvenue à vous. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, parce que pas l'envie, j'ai pas non plus beaucoup posté sur Instagram. J'ai été un peu fatiguée, lassée, voilà, c'est vrai qu'on en parle pas mal avec certaines sur Instagram, et c'est ni de la dépression, ni de la déprime, mais une profonde lassitude, et voilà, et vous savez que quand je n'ai pas envie de filmer, je ne filme pas pour filmer, parce que voilà, vous n'avez pas besoin de voir ma tête pas en forme, ni ma voix pas en forme, il faut que ce soit du positif. Donc ce soir, bah, j'avais envie de partager avec vous ma routine, qui va être basée donc sur l'hydratation plus plus plus. Parce que le froid est arrivé et on a besoin pour garder en fait une peau en bonne santé, plumpy, la gorger en fait, pas la gorger, éviter qu'elle ne perde son hydratation naturelle dans les cellules, de la surcharger en humectant. On a besoin d'humectants donc qui vont être de l'hydratation et de nutrition. Et en ce moment, moi ayant la peau, je vais dire maintenant qu'elle est plus normale que sèche, mais quand même à tendance sèche et surtout à tendance déshydratée. Et que vous ayez une peau mixte grasse, normale ou sèche, en l'occurrence si vous avez la peau sèche, vous avez vraiment besoin aussi de beaucoup d'hydratation. Il vous faut des humectants, c'est-à-dire vraiment des essences, des sérums. Voilà, et dans tout ça, vous allez pouvoir éviter que les cellules internes de votre peau et sur la surface de la peau, donc la surface cornée, que votre peau se déshydrate. Et il va falloir aussi sceller cette hydratation, donc sceller tous les produits que vous aurez appliqués par un produit nutritif, donc une huile, un baume, une crème, ce que vous préférez. Et là, le froid est vraiment arrivé, donc la peau voilà, se dessèche très rapidement. Donc, ça fait vraiment quelques jours que je base tout sur des produits très doux. D'autre part, vous savez que j'utilise un dérivé de rétinol dans le satin naturel, dans le sérum satin naturel, qui comprend autre chose que du dérivé de rétinol à 3%. Et si vous suivez un peu sur Instagram, beaucoup ont introduit le rétinol pur, dont je vous parlerai suite à des vidéos de Cyril Laurent, de Ursus, je ne sais pas si vous les suivez, qui donnent beaucoup de conseils sur les produits, sur la façon de l'introduire. Donc le rétinol pur, c'est de la vitamine A, qui est à introduire vraiment à des dosages très petits au départ. Quelques fois par semaine, enfin, en fonction de la réaction de notre peau. Et c'est vraiment reconnu scientifiquement par plein plein d'études. C'est un anti-âge, un anti-acné et un anti-tache reconnu. Donc je vais aussi l'introduire, je vous en reparlerai. J'ai commandé des produits, plusieurs dosages en fait pour introduire tout doucement cette molécule, enfin cette vitamine A. Et donc, je prépare ma peau en fait à de la douceur et à apporter un SPF aussi parce que le rétinol en fait va créer une exfoliation très importante de la peau et permettre donc à de nouvelles cellules de se régénérer, donc au collagène de se régénérer, aux taches donc par l'exfoliation très importante, hein, on peut avoir la peau fragilisée. Qui rougit, qui pèle un petit peu, donc c'est pour ça qu'il faut. Bon, c'est pas dangereux, hein, sinon je ne le ferais pas, mais il faut adapter la routine avec des produits très très doux. Donc j'ai commandé tout ça après plein de renseignements que j'ai pris sur des articles, sur des vidéos. Cyril Laurent, il y a.
Si vous suivez ces vidéos, il faut les prendre en ayant déjà une connaissance assez précise des compositions. Ils proposent des produits coréens qui ont pour moi des compositions qui ne me conviennent pas. On en a parlé avec Julie, chanteuse de salle de bain. Après, vous prenez selon vos exigences en matière de green beauty ou pas. Lui, il est docteur en biologie cellulaire, des cellules souches. Donc, il parle en tant que biologiste concernant les actifs. Il conseille certains produits qui vont me convenir parce que je les attends et d'autres que je refuse d'appliquer sur ma peau tout simplement. Donc je vous parlerai de tout ça. Mais bref, donc ma peau est déjà habituée au rétinol en dérivé de rétinol puisque le satin naturel, ça fait quand même plusieurs mois que je l'applique. Et je vais passer au rétinol pur à petit dosage. Voilà, c'était pour l'introduction. Comme ça, vous allez pouvoir suivre sur ma peau que vous connaissez. Déjà, avec le dérivé de rétinol, vous les avez pu le constater. Tout le monde me le dit sur Instagram et en vidéo. Donc, je vous remercie parce que ça me fait très plaisir. Ma peau a vraiment beaucoup changé. J'ai moins de rides, moins de ridules. Bon, là, je suis un peu cernée parce que, évidemment, qui dit pleine lune le 30, ça agit 3 jours avant, 3 jours après. J'ai fait une nuit blanche, pas cette nuit, mais la nuit d'avant. Donc, j'ai récupéré, mais voilà, qui dit nuit blanche à 54 ans, ça marque. Mais j'ai énormément moins de taches. J'avais vraiment des grosses taches ici. Celle-ci, elle persévère. Mais si vous me suivez depuis longtemps, j'avais vraiment le reste du masque de grossesse. Et pourtant, ma dernière grossesse date d'il y a presque 21 ans. Mais j'avais vraiment beaucoup de taches. Et depuis que j'ai introduit le rétinol, plus plein de très très beaux produits que j'ai reçus en cadeau, d'autres que je me suis achetés. C'est vrai que j'ai le visage beaucoup plus éclairci, enfin le teint beaucoup plus éclairci, beaucoup moins de rides, de ridules que je n'avais déjà pas beaucoup, je suis chanceuse. Et voilà, donc j'espère en passant au rétinol pur, progressivement et en faisant très attention, que je vais pouvoir venir à bout de ces tâches sans passer peut-être par la dermato, parce que je n'y suis toujours pas allée. Voilà, donc on va commencer la routine, et c'est une routine que je vais continuer, en sachant qu'avec le rétinol, qu'on applique le soir de grande préférence, puisqu'il faut absolument pas se mettre au soleil, vu que la peau est vraiment fragilisée. On peut le matin appliquer les autres actifs, donc ça ne va pas m'empêcher d'appliquer mes autres produits. On peut appliquer d'autres acides, des exfoliants enzymatiques, enfin d'autres choses le matin, mais le soir ce sera une routine vraiment toute douce et réparatrice en fait, très nourrissante et humectante justement pour la peau. Introduction un petit peu longue, mais voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu pourquoi je fais déjà cette routine. Pour le froid, pour lutter contre le froid. Donc, ce que je fais, donc là on est le soir, je n'étais pas maquillée. Ce que je fais, c'est que déjà pour commencer, j'utilise un nettoyant très très doux, donc j'ai pas mal de crèmes très douces et des textures huileuses. Donc, je choisis ou carrément une huile. Hein, vous savez que si vous me suivez, que j'utilise aussi des huiles démaquillantes, mais c'est aussi nettoyant hein, quand je veux quelque chose de très doux. Donc ce soir, j'ai décidé d'utiliser pour me nettoyer la peau, donc en première intention, le baume céleste d'Absolution dont je vous avais parlé, qui est un baume huileux en forme de gel et qui a plein 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 de bons actifs dont je vous ai parlé, 100% d'origine naturelle et 60% d'origine bio, qui sent très bon et qui est à base de camomille bleue. Voilà, donc il en faut très très peu, hein. Il en faut vraiment très très peu parce qu'il s'étale très très bien et après il s'émulsionne. Donc ça c'est génial. Voilà, donc je l'avais pris sur l'application Shoes dont je vous avais parlé. Et là il y a des belles ventes qui arrivent que j'ai partagées sur Instagram. Il y a Sabon, vous savez les parfums solides en forme de tube.
Il y a Mademoiselle Saint-Germain et il va y avoir il y a les savons Ciment Paris, Ciment, ouais, Ciment Paris, je crois, et All Tigers qui arrive aussi. Ça m'intéresse parce que j'adore leur rouge à lèvres très mat et qui tiennent très bien, qui arrive après-demain. Voilà, donc si vous voulez, ça vous intéresse. Bon, il y a d'autres ventes, hein, mais ça m'intéresse pas. Si ça vous intéresse, bah, vous avez mon code de réduction. Alors, j'ai été déçue parce qu'en fait, ça ne vaut que pour la première commande. Donc, j'ai voulu moi m'en servir et finalement, j'ai pas passé commande. Donc, je vous montrerai ce que je me suis pris grâce à vos parrainages. Pris des bijoux, donc je vous les montrerai. Peut-être que demain je filmerai, je vous montrerai tout ça. Et voilà, donc ça vaut que pour la première commande, mais c'est quand même une réduction de 10 euros. Et très souvent, les frais de port sont offerts, donc c'est hyper intéressant. Et donc, vous avez mon code de réduction si ça vous intéresse. Il y en a d'autres hein, sur Instagram en barre d'infos. Voilà, c'est Valérie BR en majuscule. Voilà pour ça. Donc, on le masse bien, donc c'est tout doux évidemment. En plus, il y a plein de bons actifs réparateurs, etc. Et là, alors, j'ai lu un article de. Enfin, un post sur Instagram de. Comment elle s'appelle? Sarah, de Beauty Corner, qui a un site. Donc, si par hasard. Sarah, tu passes par là, je te remercie beaucoup parce que tes articles m'intéressent toujours. Et elle disait que le mieux pour se laver le visage, c'était l'eau tiède, ni l'eau froide, ni l'eau chaude, qui n'est pas bonne pour la peau. Donc ça va, c'est ce que je faisais déjà parce que j'ai horreur de l'eau froide, surtout en ce moment. Et l'eau chaude, bah, c'est trop chaud, quoi. Et le mieux pour la peau, donc, c'est l'eau tiède. Voilà, donc je vous transmets l'information. Voilà. Donc il s'émulsionne. Tout doucement, mais bon, ça permet de retirer plus facilement. Donc normalement, je vais beaucoup plus bas, mais bon, je vais vous épargner. Voilà, donc ça permet vraiment de nettoyer la peau tout en douceur. Donc une texture huileuse ou un nettoyant crème tout doux. Donc j'avais des échantillons paille. Je vous en reparlerai parce que je vais vous faire une vidéo donc sur mes nettoyants, tous mes nettoyants doux, crème, etc. Donc j'ai le Oska, j'ai le Freshly Cosmetics que j'aime beaucoup. Le Aurélia Probiotique, enfin voilà, des textures vraiment qui ne vont pas agresser la peau, qui sont très intéressantes à cette saison, parce que pour une fois, on a un vrai hiver, contrairement à l'année dernière où on avait 10, je crois. Là, ça fait du bien quand même d'avoir un vrai hiver, je trouve. Mais la peau, il faut la protéger. Si on ne veut pas. La faire vieillir trop vite. Et vraiment, je suis de plus en plus persuadée, et on a discuté avec ma fille, hein, je vous raconte ma vie, hein, mais c'est intéressant. Enfin, moi, je trouve que c'est intéressant. Ma fille, donc, qui va avoir 30 ans, donc c'est un cap le 7 janvier, et puis son dernier va avoir un an le 9. Et elle m'a dit, parce qu'elle, elle se maquille pas, mais elle est très jolie sans maquillage, elle est beaucoup plus jolie sans maquillage. Parce qu'elle est blonde aux yeux marrons. Donc elle est très très belle sans maquillage. Mais, et puis elle s'occupait de sa peau, quoi. Enfin, elle ne met rien. Elle m'a dit qu'elle faisait de temps en temps un masque à l'argile quartier. Je lui ai dit, oh là là, c'est vraiment pas le mieux pour. Ça agresse la peau, quoi, l'argile. Et elle me dit, maman, t'as une tellement belle peau. Est-ce que tu pourrais me faire une routine et m'envoyer des petits produits, s'il te plaît? Parce qu'elle me dit, là, j'ai 30 ans et elle a une belle peau, hein, mais elle me dit, ça y est, j'ai 30 ans et je pense que il est temps que, voilà, quand je vois ta peau s'améliorer et tout, bon, elle sait que je reçois énormément de cadeaux de votre part. Savent mes filles, enfin mes enfants savent que j'ai une chaîne YouTube, mais je veux rester libre et pas me sentir. Enfin, ça me gênerait que mes enfants voient mes vidéos, donc ils n'ont pas mon nom de compte et ils ne voient rien, ni Instagram, ni YouTube. Mais elle me dit, quand je vois ta peau à 54 ans et comment elle s'améliore, ça me donne vraiment envie d'avoir une routine et de m'occuper de ma peau. Donc bah, je vais lui faire des petits échantillons. Et je vais lui envoyer des échantillons que j'ai pour qu'elle se fasse une routine. Hier, quand je lui ai dit,
qu'il fallait faire des gommages, des masques, appliquer des lotions, des sérums, des... Elle m'a fait, ah oui, quand même. Elle me dit, bon, bah, je vais essayer. Donc, j'espère qu'elle essaiera. Ça ne peut lui faire que du bien. Mais ça m'a fait plaisir et je me suis dit, bon, bah, parce que moi, je force pas du tout mes enfants, enfin mes filles, à suivre mon amour pour la cosmétique. Hein. Bref, voilà, donc je vais lui faire une petite routine pour ses 30 ans. Là, je rince le calcaire, donc c'est hyper important aussi. Parce que bah, ça agresse la peau et il faut qu'elle retrouve son pH, hein, qui est un pH spécifique. Je ne le connais pas, il faudrait que je me renseigne. Mais le calcaire modifie le pH de la peau et c'est important qu'il soit conservé. Donc là, je tapote pour retirer le calcaire. Je ne frotte pas, de toute façon, je ne frotte jamais, mais en ce moment, encore moins. Et là, je vais nettoyer ma peau. Faire un double nettoyage comme si j'avais été maquillée. Et j'ai décidé d'utiliser un nettoyant très doux parce qu'il faut que je termine, que m'avait envoyé Nadège. Gros bisous Nadège dans ma bulle Ilia dont je vous ai déjà parlé, qui est une personne adorable. Là, elle a sorti une vidéo produit terminé que je vais aller voir après. Elle m'avait envoyé le nettoyant Pink Cloud d'Herbivore, qui est un nettoyant très très doux, qui sent un petit peu la rose, qui est sous forme de gelée comme ça. Je crois que je l'ai déjà fait avec vous. Donc je vais réhumidifier ma peau pour pas l'appliquer sec. Et alors, c'est une texture très particulière. Il en faut vraiment très très peu. Je vais vous montrer. Et ça mousse énormément. Voilà. Donc je vais vous montrer. J'en prends vraiment, mais très très peu. Et vous allez voir la mousse que ça fait. Voilà, je prends ça, donc vraiment très très peu. Ça fait une mousse très très abondante. Vous voyez, j'en ai vraiment pas mis beaucoup, donc ça se présente dans une bouteille et je pense que c'est hyper économique. Dis-moi ça, Nadège, parce que vraiment en mettant, vous voyez ce que j'ai pris, j'ai même pas creusé, ça mousse énormément. Et là, pour le coup, la peau est vraiment pas du tout agressée parce que c'est d'une douceur. Alors, si vous voulez aussi un produit très doux, là je l'ai terminé, c'est. Voilà, le paille Camélia et Rose, nettoyant doux et hydratant. C'est dans la gamme Instant Calm. C'est très très doux, c'est une crème vraiment très très douce. Et autre nettoyant, de toute façon je vais vous faire une vidéo, mais là comme ils sont là, je vous les montre. C'est la crème douce démaquillante de Absolution. Qui bon, qui démaquille, hein, mais voilà. Et en fait, je l'avais utilisé avec vous et je vous disais que c'était bizarre de se démaquiller avec une crème. Et en fait, Lise, donc gros bisous Lise, qui travaille avec Absolution, Perrine aussi et d'autres abonnés m'ont dit que la meilleure utilisation, c'était en crème nettoyante du matin très douce. Et je confirme. Donc voilà, si vous voulez, de toute façon, je vais vous faire une vidéo sur tous les nettoyants doux pour l'hiver, justement. Ils seront dedans. Voilà. Parce que je sais qu'on ne sait pas forcément vers quoi se diriger. Je vous déconseille Rennes. Parce que je suis essoufflée. Ça fait longtemps que je n'ai pas fini, donc... Et donc, je n'ai pas parlé, même si je viens d'avoir mes petits bouts et ma fille en vidéo, ça m'a fait trop plaisir, mais vraiment trop plaisir. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas filmé, donc voilà, on s'essouffle. Oui, je ne sais plus ce que je vous disais, mais oui, que j'allais vous faire une vidéo donc, sur tous mes nettoyants crème, parce qu'il en existe tellement que voilà, on ne sait pas forcément vers lesquels se diriger. Donc je ne frotte pas, hein. J'y vais tout doucement. Et là, la peau est vraiment toute douce, bien nettoyée. Et comme je suis sortie aujourd'hui et hier pour faire une belle balade avec Granny, parce que je crains un reconfinement, donc je prends mes devants, ma peau, j'avais mis de la protection solaire. Voilà, parce que c'est hyper important aussi. C'est Cyril Laurent
qui dit que c'est vraiment hyper important et c'est vrai. Donc j'en mettais pas spécialement, mais j'ai décidé de, voilà, de faire ma bonne élève. Mais qui dit crème solaire dit que c'est épais, enfin que ça fait vraiment une couche épaisse qu'il faut bien nettoyer. C'est pour ça que je fais un double nettoyage. J'ai quasiment terminé la brume florale à la fleur d'oranger qui m'a fait hyper longtemps. Parce que la brumisation est vraiment très fine. Alors pareil, la fleur d'oranger, c'est très apaisant. En même temps, dans une eau florale, la concentration n'est pas énorme. Mais c'est pas mal. C'est pas mal de prendre aussi des eaux florales très douces et apaisantes. Et je pense que je vais me racheter une brume d'eau thermale, tout simplement. Pareil, ce sera apaisant pour la peau. Pas forcément à Venne, hein, parce que hier je suis allée dans une parapharmacie pour essayer de trouver un produit que je n'ai finalement pas trouvé. Quand j'ai vu que c'était 7 euros la brume d'eau thermale à Venne, j'ai dit non, c'est exagéré quoi. Donc je vais essayer de m'en trouver une à Franprix, une Evian ou de la marque Franprix, ce sera très très bien. Ensuite, donc je vais utiliser, je vous avais dit que je m'étais fait ma lotion, enfin un pré-sérum hydratant avec des fleurs séchées d'hibiscus. Donc je vous en ai déjà parlé, je vous ai dit ce que j'avais mis dedans. Je vais vous le redire pour les nouvelles. Donc j'avais fait une décoction, je sais pas si c'est vraiment une décoction, mais j'avais fait vraiment bien cuire des fleurs d'hibiscus séchées qui coûtent vraiment pas cher en magasin bio parce que c'est au poids et c'est très très léger. Et qui ont cette magnifique couleur framboise, hibiscus quoi. Et dedans, j'ai mis donc de la glycérine qui est très humectante, très hydratante. J'avais mis de l'aloe vera, pareil pour l'hydratation. De l'aloe vera que j'avais, hein, de Avril, qu'on a vu dans une new box, qui est pas génial, mais bon, qui est bien quand même. J'avais mis de l'huile de rose musquée pour le côté nutrition, donc huileux, de la paille, donc de l'huile paille. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? De l'acide hyaluronique et en conservateur, pour la phase aqueuse, on peut mettre ou du Coastguard ou du pamplemousse. Donc j'avais mis du pamplemousse et pour la phase huileuse de la vitamine E qui est excellent aussi pour la peau. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets dans mes mains et donc ça fait plus qu'une lotion puisque dedans, donc je vous montre la couleur, hein, c'est vraiment rose framboise parce que dedans, comme il y a de la glycérine, de l'aloe vera, de l'huile, et bien ça fait une première couche d'hydratation. Alors Cyril Laurent en fait expliquait, très intéressant, parce qu'il a ce côté scientifique, donc on comprend un peu mieux comment ça fonctionne, que en fait l'hydratation de la peau, elle se fait enfin, humecter sa peau, donc lui apporter de l'eau, ça va permettre de capter l'eau des produits qu'on va appliquer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et donc de gorger sa peau en eau pour ensuite, donc il faut absolument sceller, donc protéger cette eau qu'on aura appliquée sur la peau par des produits donc huileux. Nutritifs qui vont donc protéger toute cette hydratation qu'on aura apportée à la peau pour ne pas qu'elle se dessèche. Voilà. Donc là, vous voyez, la peau est très douce. Ça fait vraiment beaucoup plus qu'une eau florale. Hein. Il y a pas photo. Alors, vous allez me dire que je mets beaucoup de produits. Ben oui, il dit aussi, et moi je le constate et je le fais de toute façon tous les hivers si vous me suivez, mais encore plus maintenant, j'empile les couches au niveau de l'hydratation. Et ben, j'ai constaté que
d'empiler les couches d'humectant, donc d'hydratation, me permettait d'appliquer beaucoup moins de couches de nutrition. Et comme en ce moment, la peau a vraiment besoin, elle se dessèche, donc elle perd de son eau. Ben en fait, pas besoin d'appliquer 36 couches de produits nutritifs, mais humectants. Et je vous assure qu'après, vous allez le voir, j'ai juste besoin d'appliquer une couche ou d'huile ou de crème ou de baume et c'est tout. J'ai pas besoin de mettre une huile plus un baume, etc. Et enfin, le matin, je me réveille, j'ai la peau, mais vraiment très douce, très repulpée, comme là, quoi. Alors, j'empile donc les couches. Alors, en premier, je vais mettre le élémental de Naturalogique, donc qui est une essence, donc un pré-sérum à base de vin rouge fermenté. Voilà, j'ai un haul à vous faire. Donc, ça se présente comme ça. Et c'est vraiment. C'est une texture assez gélifiée. Et pareil, ça va vraiment humecter la peau. Et on le sent parce qu'elle est vraiment très très douce, la peau. Hein. On sent qu'elle boit. Voilà. On sent qu'elle se gorge d'eau. Et ça permet vraiment qu'elle se défripe complètement. Qu'elle ne se fripe pas, quoi. Je n'ai aucune sensation de. Pourtant, je sors. Hein. Hier, je suis allée dans le centre-ville chercher des cadeaux pour mes petits-enfants de Noël qui n'étaient toujours pas arrivés, des croquettes pour Granny. Enfin, bref, je suis sortie bien 1 heure et demie. Ça m'a fait du bien d'ailleurs. Et je suis revenue, ma peau était nickel. Voilà. Ensuite, j'attends pas que ça sèche. J'applique. Il m'en reste quasiment plus. Je le termine. L'acide hyaluronique de Satin Naturel, qui m'aura fait longtemps quand même. Donc, je suis obligée de le prendre dans la main et de tapoter. Donc, j'en mets vraiment une bonne dose. Voilà, c'est une texture gélifiée. Ensuite, je vais mettre. Le sérum, ça c'est un cadeau de Julie, chanteuse de salle de bain. Le sérum Aurélia Probiotique Revitalize and Glow Sérum, qui est à base de probiotiques. Voilà. Petite texture laiteuse. Ça sent bon. Ouh! Il y avait longtemps. Pareil, j'en mets la dose. Ça protège la flore bactérienne de la peau. Voilà. Et on y va. Et là, je vous assure, vous verrez, j'ai commandé quelque chose pour faire des couches et des couches de la Seven Skin Method qu'on appelle, c'est-à-dire appliquer plusieurs fois, enfin 7 fois normalement, des couches d'hydratation. Et plus on applique les couches, et plus la peau se gorge en fait, et ça lui fait énormément de bien. Donc, je ne ferai pas tous les jours, hein, parce que sinon, ça coûte cher en produit. Mais bon, le produit que j'ai commandé n'est pas excessif, donc ça va. C'est pas un truc à 50 euros, loin de là, ni même à 30, ni même à 20. Donc, c'est très très bien. Et on y va. Donc là, la peau va se gorger en eau. Donc aussi bien au niveau des cellules internes que externes, parce que le satin naturel, je crois qu'il est à haut et bas poids moléculaire. Je ne sais plus, je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc à bas poids moléculaire, c'est que ça va rentrer dans les cellules internes de la peau, donc pénétrer la couche lipidique. Et voilà. Et au poids moléculaire, c'est que ça va hydrater, donc enfin apporter de l'eau aux cellules externes, donc en surface de la peau. Et c'est pour ça qu'après, il faut sceller. Voilà. Et je mets aussi sur les mains. Ensuite, je vais, avant que ça sèche, pour permettre à l'acide hyaluronique en fait de encore plus agir, je vais appliquer, je prends n'importe quelle brume, la brume Acure Ultra Hydrating, donc
Ouais. Brume ultra hydratante au concombre et à l'acide hyaluronique. Et il y a aussi de la banane. Donc on y va. On réhumidifie. Et je vous assure, je ne dis pas de bêtises, hein. Jamais sur ma chaîne. Hein. Je vous assure que ça change tout. Là, en hiver, d'appliquer toutes ces couches, puis ça prend pas longtemps, hein, vraiment, ça prend pas longtemps, puisqu'en plus, on n'attend pas que ça sèche. Donc, ça, c'est important, ne pas attendre que ça sèche. Il faut vraiment empiler les couches pour que l'humectant agisse, hein, c'est-à-dire voilà, qu'on ne perd pas de temps vu qu'on n'attend pas que ça sèche. Tout ça pour ça, Valérie. Voilà. Là, je peux vous dire que la peau se gorge. Et ça permet vraiment, je vous assure, essayez. Essayez si vous avez même qu'un sérum ou vous faire vous-même. Si vous avez, moi la glycérine, j'achète sur Aromazone. Si vous avez juste voilà, un contenant avec, vous mettez de l'aloe vera, de la glycérine, de l'acide hyaluronique. Si vous avez un sérum à l'acide hyaluronique, vous mélangez, vous mettez un conservateur. Essayez. Avec même une brume après à appliquer différentes couches, vous allez voir comme ça change tout. Ensuite, je vais mettre, là ça n'a pas séché, je mets mon rétinol satin naturel, donc lui qui est un dérivé de rétinol, donc qui est beaucoup moins puissant hein, que le rétinol pur, puisque là il en contient 3%, et 3% de rétinol pur, ça n'existe pas, hein, ça s'arrête à 1%. Ce qui est déjà énorme et il faut jamais commencer à 1%. Je vous expliquerai ça si ça vous intéresse. Même si Julie en a parlé dans une IGTV. Vous avez aussi les vidéos de Cyril Laurent, il en a fait une. Il faut vraiment y aller. Moi, je me suis beaucoup renseignée avant de prendre la décision d'en appliquer, mais quand je vois déjà le satin naturel, ce qu'il a fait sur ma peau, je pense que vous pouvez le voir, je vais pas hésiter à passer, surtout que c'est scientifiquement prouvé, hein, c'est pas, puisque c'est même la trétinoïde, c'est enfin, un traitement que les dermatologues prescrivent sur ordonnance, hein, donc, et qui est beaucoup moins dosé parce que en fait, il faut que ça passe des couches et donc le rétinol tel que je vais le mettre va se transformer et va passer trois couches en fait avant de se transformer en trétinoïde voilà et voilà et moins il est dosé forcément plus il va pénétrer la peau donc la trétinoïde qui est très forte prescrit par les dermatologues contient moins de rétinol. J'espère que vous m'avez suivi. Donc là, le rétinol est appliqué. Voilà, alors là, j'ai la peau, je sais pas si vous pouvez le voir, elle est caoutchouteuse en fait. Elle est comme si j'avais fait du botox. Je pense que vous pouvez le voir. Et ça, j'en mets tous les soirs. Et je vous dis, je vais passer, j'attends mes produits. Je termine celui-ci qui est quasiment terminé, qui m'aura fait longtemps quand même. Et après, je passe au rétinol. Donc, je vous expliquerai tout ça. Je vous montrerai mon haul. Un autre produit que j'adore, qui est très, très efficace, je ne m'y attendais absolument pas, c'est le sérum Fine ou Fine, qui est à base de plein d'ingrédients et qui contient notamment de la niacinamide. Pareil, je vous en parlerai, c'est un actif que j'ai découvert, très très efficace et bah, assez novateur pour le contour des yeux. Et vraiment, quand je l'applique, ça me dégonfle, enfin, c'est même indiqué hein, dans ses propriétés, ça me dégonfle le contour de l'œil et ça aide à réduire vraiment les cernes. Donc, comme il est très très liquide, vraiment très très liquide. J'en perdais en fait si j'en mettais sur, vous savez, sur les doigts. Donc ce que je fais, c'est que je l'applique. Voilà, je l'applique directement à la pipette. Et vraiment, il est ultra ultra efficace. Alors je sais plus combien il coûte parce qu'il est, c'est un énorme contenant hein, pour un contour des yeux. Je sais pas, il doit faire 30 millilitres. Je crois qu'il est à 56 euros.
Moi, je m'attendais à un truc qui allait coûter 100 et quelques, quoi. Et pas du tout. Et je vous assure que il est tellement efficace que c'est bien un cadeau que je pourrais me faire parce que il est vraiment hyper, hyper efficace. C'est vraiment une texture totalement aqueuse, hein, comme vous pouvez le voir. Mais une composition assez extraordinaire. Et si vous voulez comprendre vraiment les actifs, comment ça fonctionne, etc., parce que moi ça m'intéresse hein, énormément. Déjà, je suis curieuse de base. J'aime bien comprendre les choses. Je vous invite vraiment à aller voir, je vous l'indiquerai, la chaîne de Cyril Laurent, parce que lui, il est vraiment scientifique. Mais prenez les choses vraiment avec du recul. C'est-à-dire, ne prenez pas tout ce qu'il dit. Bah, tout ce qu'il dit est génial, mais il propose des produits qui ne sont pas, pour moi, clean. Donc, regardez les compositions de ce qu'il propose. Je vous parlerai des marques que moi, j'ai sélectionnées, parce que ça me convient en termes de composition. Mais si vous voulez comprendre, par exemple, la niacinamide, moi, je voyais des produits qui contenaient des niacinamides, mais je ne savais pas ce que ça apportait. L'acide salicylique, la vitamine C, etc. Si vous voulez vraiment comprendre comment ça fonctionne, comment les appliquer, ce que ça fait sur la peau, je vous invite, si ça vous intéresse, je fais un peu la pub, enfin c'est pas la pub, c'est que je vous partage vraiment une chaîne très intéressante, je vous invite à aller voir ses vidéos. Et il fait une vidéo notamment sur le rétinol, donc il explique vraiment ce qu'il faut faire, etc. Il est super parce qu'il... C'est scientifique, mais en même temps, c'est vulgarisé pour qu'on comprenne. C'est très, très intéressant, vraiment. Alors là, voyez, j'ai fait ça sur mes mains aussi pour retirer, pour essayer de diminuer les taches qui ont également diminué. Bon, celles-ci sont vraiment, sont vraiment profondes. Donc, je verrai avec, je vous les montre là, et je verrai avec le rétinol plus dosé, enfin le vrai rétinol, enfin j'appelle ça le vrai rétinol parce que c'est du pur et pas du dérivé comme dans le satin naturel. Je vous dirai s'il y a une différence, puis vous le verrez de toute façon. Je pense que là déjà vous pouvez voir la différence par rapport à il y a quelques vidéos en arrière où j'étais vraiment marquée au niveau des taches et beaucoup plus au niveau des ridules. Là j'ai quasiment plus rien et vous voyez ça dégonfle vraiment le contour de l'œil. J'adore, j'ai plein de produits vraiment que j'adore. Et là, pour terminer, donc j'ai humecté ma peau, elle est hyper. Je pourrais aller me coucher comme ça à la limite, mais je vais sceller cette hydratation. Et hier, j'ai ouvert un produit que j'aime beaucoup, mais vraiment que j'aime beaucoup. Et qui m'a, ce matin, et même je me suis lavée tard. Hein. Même toute la journée, j'ai la peau vraiment pas confortable parce qu'on n'a pas une peau confortable. Confortable, c'est un élément matériel en fait. Enfin, voilà. Mais j'avais la peau vraiment hyper nourrie, hydratée, enfin, très 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 belle. Avec cette huile-là que j'ai rouvert un échantillon, c'est l'huile repulpante. Bon là, c'est sale parce qu'elle était dans un paquet où il y a dû avoir un truc qui a coulé de Oh My Cream, qui est hyper bien composé, à l'avocat, à la vitamine A, à l'acide hyaluronique, mais encore de l'acide hyaluronique. Et elle a vraiment de très très beaux ingrédients. Le premier, c'est de l'huile d'avocat. Après, il y a l'huile de jojoba, de l'huile de tournesol, de l'huile de lin, donc qui est très nourrissante. Elle est vraiment très bien, elle sent très bon. Elle est épaisse, donc ça j'aime bien. Donc pour en dernière couche, hein, parce que je vais mettre que ça. Voilà, elle est de cette couleur-là. Elle sent vraiment très très bon. Et je vous avais déjà dit, parce que c'est le deuxième ou le troisième, non, c'est le troisième échantillon que je mets. Elle est super. Donc celle-ci, l'huile Rarfid Naturalogique, l'huile Votary, voilà, ce sont vraiment. J'ai de côté des belles huiles, des beaux produits qui vont pouvoir vraiment bien protéger ma peau quand je vais utiliser le rétinol pur.
Voilà. Donc vous voyez, elle est vraiment épaisse, hein. C'est pas une huile fine, évanescente, voilà. Mais moi j'aime bien pour l'hiver. Elle fait vraiment bah, comme la Votari que je vous ai déjà montré en routine et la Rare Fee de Naturalogique. Ce sont vraiment des huiles qui vont être hyper protectrices. Avec, elle a vraiment une belle composition. Hein. Oh My Cream, vraiment, ils font des beaux produits. Alors tout n'est pas. Enfin, je veux dire, à 80%, ce sont vraiment des produits, moi, que j'adore. Hein. Et qui ont quand même un budget. Ça va. Ce n'est pas des produits à 50 euros, 100 euros. C'est encore accessible. Donc je mets sur les mains. Et vous voyez, elle est quand même. C'est une huile. C'est vraiment une huile. Voilà. Je pense que vous pouvez voir. Et hop. Il est où? Je voulais mettre mon contour des yeux carétique. Moi, bah, je l'avais sorti. Voilà. Alors, ce que je fais aussi pour le contour des yeux, qu'a expliqué Cyril Laurent, c'est vraiment ce qui compte, c'est aussi bon bah, d'humecter, donc d'hydrater le contour des yeux, mais de le charger vraiment en nutrition, surtout pour le soir, parce que c'est très fragile et il faut nourrir, 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 nourrir le contour de l'œil. Donc déjà, je le faisais pas mal, mais maintenant j'applique une grosse couche, surtout à mon âge, pour voilà. Éviter que ça, enfin pour que ça agisse toute la nuit. Donc celle-ci est très bien, vraiment pas très chère. La carétique qu'on a eue dans une nuit au box, nectar de jeunesse, au miel et bouquet enfin bouquet de miel floraux, voilà. Bio, équitable, enfin elle est très très bien, très simple mais très bien et pas trop grasse. Donc vraiment j'y vais. Une énorme couche évidemment au-dessus des paupières, ça je le faisais déjà, et je vais vraiment loin sur les côtés pour éviter les petites ridules ici. Voilà, j'en mets une énorme couche qui va être bue de toute façon pour que mon contour des yeux soit vraiment protégé toute la nuit et ça va être absorbé. Alors, ce que je ferai aussi quand je vais introduire le rétinol, il me reste pas mal du masque Aura. Je vais faire beaucoup de masques de nuit aussi. Hein. Vraiment apporter. Je vais voir comment ma peau réagit, mais je pense qu'elle réagira bien puisqu'elle est déjà habituée aux dérivés de rétinol. Et j'ai pris pour commencer une concentration à 0,2%. Après, j'ai pris 0,5 et c'est tout. Et après, je monterai à 1% qui est la concentration maximale. Donc, vous voyez, ça, c'est bu. C'est bu et j'y vais. J'hésite pas. Et comme ce n'est pas une texture huileuse et que j'ai mis un sérum à queue en dessous, bah, ça ne va pas faire gonfler les yeux pour demain matin. Voilà. Donc là. Ça va, c'est bien hydraté, ça va être bien bu. Et vous voyez, j'ai pas mis en dessous, hein, puisque ça va remonter, je vous le dis depuis le début de ma chaîne, je crois, ça va remonter par capillarité. Donc je ne vais pas directement sous les yeux. Et ouais, j'ai arrêté de mettre des huiles, bah, parce que comme le disait Julie, chanteuse de salle de bain, c'est vrai que les huiles. Peut-être sur certaines ont le problème de faire gonfler le dessous des yeux le lendemain matin, donc voilà, d'avoir les yeux gonflés. Moi, ça ne me le faisait pas, mais quand je mets des huiles, même si je monte, enfin si j'applique toute une huile sur le visage et que je l'applique aussi sous le contour des yeux, ce que ça me fait, c'est que voilà, je regarde des vidéos et tout ça après avoir fait ma routine. Et ça me fait pleurer les yeux en fait, parce que comme ça remonte par capillarité, même si j'arrête l'huile au niveau de la crème que j'ai mis ici, bah ça va, ça remonte et en fait ça me fait pleurer, ça me pique les yeux toute la soirée. Donc c'est pas du tout agréable. En plus, bah, je me frotte, donc c'est pas bon du tout bah, pour
pour les rides et les ridules. Donc voilà, je ne mets plus du tout d'huile ni le soir ni le matin en contour des yeux. Mais en revanche, je gorge, je l'ai toujours fait, mais là encore plus, vous voyez, ça va être bu. Et vraiment, il faut parce que c'est très fragile et puis c'est là qu'on vieillit. On vieillit aussi, on perd voilà, de l'élasticité sous le visage. Donc là, je ne l'ai pas fait, mais je fais des massages, comme je vous l'ai dit, hein, avec le gua sha pour vraiment stimuler le contour, voilà, le bas du visage où ça s'affaisse. Remuscler ici toute cette zone-là. Et si vous voulez un bon massage simple, mais très efficace, hein, avec les doigts, vous avez un massage de Juliette, hein, qui est formée pour ça sur Instagram. Donc, celle qui suit Instagram, vous le saurez, vous l'avez vu certainement, qui est Agi. Donc, je vous mettrai aussi, si j'y pense, son compte Instagram. Vous regardez IGTV, déjà elle est magnifique, elle est très jolie, elle est très naturelle, elle est sublime et très gentille, très douce. Et elle a eu la gentillesse de nous montrer en direct un massage avec les doigts pour vraiment bah, se détendre et stimuler toute la zone du visage. Donc bon, je vais y penser parce que je vais re-regarder ma vidéo pour me rappeler des produits dont je vous ai parlé pour vous les lister en barre d'infos. Et je vous mettrai la chaîne, enfin le compte Instagram de Juliette. Voilà, c'est vrai qu'Instagram, YouTube, c'est des mines d'informations. Alors, toujours pareil, hein, ne prenez pas tout au premier degré en vous disant, faut que j'achète ça, faut que j'achète ça, même dans ce que je vous montre. Hein. Moi, je reçois en cadeau des produits magnifiques, donc je ne me pose pas la question de savoir si je vais utiliser ou pas. Oui, j'utilise puisque ce sont des produits voilà, de magiques, majestueux. Mais quand vous regardez des vidéos YouTube ou sur les comptes Instagram, etc., voilà, peut-être qu'on a tendance au début à dire, oh là là, il me faut ce produit, il me faut ce produit, il me faut ce produit. Non. Regardez d'abord si vous en avez besoin, si c'est ce que vous voulez inclure dans votre routine, si ça, votre peau en a besoin. Voilà, ne prenez pas tout au pied de la lettre, mais c'est vraiment une mine d'informations. En général, quand on vous dit des choses, c'est qu'on a fait des petites recherches et qu'on les a constatées sur notre peau. Et encore une fois, ce qui marche sur nous peut ne pas marcher sur vous. Mais le rétinol, c'est prouvé scientifiquement depuis très très longtemps. Ça fonctionne quoi. Donc moi, je le vois déjà avec le dérivé de rétinol. J'imagine ce que le rétinol pur peut faire. Donc j'ai très hâte. Je vais recevoir ma commande certainement cette semaine, enfin mes commandes. Et j'ai pas acheté Paula's Choice parce que 61 euros, je ne pouvais pas. Mais je me suis gavée d'informations et j'ai pris des produits conseillés donc bah, par plusieurs Instagrammeuses et Instagrammeurs et Cyril Laurent. Dont, ah oui, Cyril Laurent, je vais vous mettre son compte, enfin son. Pas son compte Instagram, sa chaîne YouTube. Voilà, je vais y arriver. On est le soir. Hein. Et là, oui, j'ai pris des informations et je me suis dit, ah bah, je vais commencer par ça, petit prix, enfin, petit prix, oui, petit prix. Et très bien. Donc, je vous montrerai tout ça. J'ai plein de choses à vous montrer parce que j'ai introduit vraiment des choses, des nouveautés dans ma routine. J'ai plein, plein de choses à vous montrer, des hauls à vous faire, de cadeaux que j'ai reçus. De cadeaux que j'ai gagnés sur Instagram, de choses que je me suis achetées. Et après, voilà, aussi des vidéos vous montrant mes produits, vous dire ce que j'utilise, ce que j'aime, ceux qui sont doux, ceux qui sont un peu plus exfoliants, etc. Parce que bah, je connais bien mes produits maintenant et je peux vous en parler. Je pense que ça peut être très intéressant, surtout qu'on passe à une période, voilà, un vrai hiver. Donc, si on veut garder une belle peau pour le printemps et l'été, c'est important de s'en occuper en introduisant des produits
plus riche et surtout beaucoup plus hydratant, quel que soit le type de peau, hein, encore une fois. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a la peau grasse qu'il ne faut pas apporter de l'eau, hein. Ça n'a strictement rien à voir. Hein. Le sébum, ce n'est pas l'eau, hein. On a une couche lipidique et on a des couches, des cellules gorgées d'eau, donc ça n'a strictement rien à voir. Voilà, bah écoutez, j'ai beaucoup parlé, j'espère que ça vous aura intéressé. Demain, je filme, je pense, parce que voilà, la petite période de fatigue est passée. Je pense que ce seront des vidéos qui vont vous plaire parce que je vais vous présenter de nouveaux produits. Donc voilà, des produits pareils qui vont dans des nouveautés que j'ai voulu tester et que j'aime beaucoup. Je n'ai testé qu'un produit parce que je veux les utiliser avec vous en direct. Vous savez que j'adore ça. Voilà, bah écoutez, voilà ma peau. Vous la voyez maintenant, vous l'avez vue avant et vous la verrez au fur et à mesure de l'application du rétinol. Comme ça, on verra l'évolution et j'espère pas rajeunir, mais garder au maximum ma peau pas trop ridée, pas trop marquée par le temps, même si je l'accepte totalement. Si on peut vieillir mieux grâce aux cosmétiques sans chirurgie, eh ben moi je dis oui, tout à fait. Voilà, mais je vous embrasse très très fort. Je pense que je vais vous mettre la vidéo maintenant. Donc on est mardi soir, moi, lundi ou mardi, je ne sais même plus. Mardi soir, je pense. Je vous la mets tout de suite et puis j'essaie de penser aux comptes dont je vous ai parlé qui sont très intéressants. Mais encore une fois, prenez ça avec. Voilà. Que ce qui vous intéresse et pas faut que j'achète, faut que j'achète, faut que j'achète. Hein. C'est pas du tout le cas. Et encore une fois, certains produits ne me convenaient pas. Regardez bien les compositions, hein, voilà, tout simplement. Vous cliquez, vous regardez les compositions et vous dites, oh non, non, il est peut-être très bien, il dit qu'il est bien ou elle dit qu'il est bien, mais moi je refuse. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Que voilà, si vous êtes lasse, un petit peu déprimé, un petit peu molle, un peu moins d'entrain, etc., c'est normal. Je crois qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Il faut l'accepter. C'est ce que on parle beaucoup sur Instagram pour se remonter un peu le moral. Je dis que c'est normal et qu'il faut l'accepter, pas culpabiliser. On est dans une situation complètement inédite et à situation inédite, notre corps et notre esprit réagissent différemment. De manière nouvelle et je pense qu'il faut lui laisser cette possibilité de voilà d'être moins bien tout simplement ou différent. Voilà, c'est ce que je fais et je m'écoute tout simplement. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!